Pour moi, la langue est une source d'enseignement par sa construction. Et donc, je conteste l'idée de s'intéresser au texte, alors qu'il faut d'abord s'intéresser à la langue. Le vrai message d'en haut, c'est la langue, c'est pas le texte de telle loi, etc. C'est quelque chose qui vient recouvrir cette notion de langue. Et la langue, elle nous parle d'anthropologie, elle nous parle du masculin et féminin, elle nous parle du singulier et du pluriel, elle nous parle du passé et du futur, et du présent. Ce sont des notions absolument fondamentales, qui nous sont données par une certaine forme de révélation. Pour moi, les révélations, ce n'est pas la révélation d'un savoir ou d'un contenu, ce n'est plus la dialectique entre le médium et le message. Le message, il est déjà dans le médium, en quelque sorte. Il faut analyser le médium et non pas ce qu'on lui fait porter.